Et d'où ce qu'il a faire, j'ai pas trop bien eu le temps de voir. Il est en train de les sniper un par un. Oh putain, il y en a celui-là, il était vite. Ah bah il a pas eu le temps de l'avoir, il est passé trop vite. Ah ok, il y a un ennemi qui va tirer dessus. Oh mais il a une grosse barre de vie, attends, le mec il a limite vie infinie là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis désolé, c'est une tablette de chocolat, les copains, c'est pas un mur. Si jamais tu veux tenter de gagner un petit cadeau ou un skin sur Fortnite, pas comme ceux qui te le promettent pendant 20 000 ans mais qui t'offriront jamais rien, il y a juste deux petites étapes que tu dois respecter. Dans un premier temps, va mettre mon code créateur RAYPHID, R-A-Y-P-H-I-D, dans la boutique d'objets sur Fortnite. Et si tu veux, tu peux même dire à tous tes amis d'aller le mettre, car plus vous serez nombreux, plus je pourrai réinvestir les sous gagnés pour vous faire des cadeaux en contrepartie. Et ensuite, deuxième chose, mettez tout simplement un petit pouce bleu sur la vidéo et ensuite allez dans l'espace commentaire, marquez votre pseudo Epic Games, suivi du nombre de likes qu'il avait sur la vidéo quand vous avez posé votre petit pouce bleu. Ça me permettra de vous ajouter et de simplement d'avoir un chiffre à tirer au sort par la suite. Chaque joueur sélectionné dans les commentaires pour les tirages seront écrits directement sur le décor sur mon mur, donc il n'y aura pas de tricherie possible. Et les résultats des tirages directement sur mes réseaux sociaux dans la description. Et pour terminer, bien évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu le souhaites. Tu es chez toi, chez tonton Tacos. N'hésite pas à suivre notre aventure sur YouTube. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous les copains présents sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme, que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo, c'est un peu l'ancien, mais c'est vrai que j'ai connu certaines consoles que vous ne connaissez pas forcément. Hein, d'ailleurs, au titre de la vidéo, je me suis senti obligé de ressortir la mienne. Voilà, pour vous dire, je les ai eues quand j'étais plus jeune. Donc la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Et regardez, je vous montre une petite sacoche. Elle est pas mignonne. Du coup, aujourd'hui, les copains, qu'est-ce qu'on va faire? On va réagir à un gameplay Fortnite sur Game Boy. Je sais pas si c'est un copain qui a créé un jeu sur un logiciel de montage. Si c'est quelqu'un qui avait un ROM hack pour pouvoir, entre guillemets, créer un Fortnite sur un émulateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été créé. Les copains, on va regarder ça tous ensemble. Juste avant qu'on commence, les copains, je vous rappelle, pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à votre tonton Tacos et rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Pensez également pour les copains fidèles à m'exploser la barre de pouces bleus. C'est parti. Bon, j'avais oublié qu'il y avait un américain qui parle en même temps, donc j'ai muté le truc. Bon, vous allez rien rater parce qu'il n'y a pas de son. Mais en tout cas, franchement, regardez ces graphismes, c'est stylé. On dirait du pixel art. On dirait du pixel art. Donc, il a fait plusieurs skins. Il y a un skin de voleur, le Léviathan, la Ghoul Trooper, le lapin, la Zoé aussi tout à droite. Il les a bien reproduit, honnêtement ils ont bien reproduit, c'est sympa, mais ça me fait penser à du pixel art. Vraiment, c'est les anciens graphismes qu'on peut avoir sur une Game Boy, quoi, hein, clairement. Bon, alors, okay. Ah, carrément, il y a la mini carte, c'est trop stylé, il a même refait la mini carte. Ok, ouais, donc là il y a un petit compte à rebours avec êtes-vous prêt, il va se parachuter, ok. Il est passé à travers le sol du bus, par contre ça c'était un peu chelou. Et le but c'est d'esquiver des pigeons. Ok, d'accord, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, faut esquiver tous les trucs pour pouvoir se parachuter avant d'arriver sur la map à mon avis. Ok, ça y est, il arrive. Il se parachute. Ah bah... Ok, bah je crois qu'il est déjà mort. Bah pas de chance, votre arme s'est cassée, vous avez fait un mauvais parachutage. Ah d'accord, ok, il a carrément... Il est parti sur un parachutage raté. Et apparemment il faut découvrir les plusieurs parties de la carte de Fortnite. Donc là je pense qu'il va aller se prendre du bois. Ok, il ramasse du bois pour son... pour pouvoir construire, je pense. Ah ok, il y a un ennemi qui va tirer dessus. Oh, mais il a une grosse barre de vie, attends, le mec, il a limite vie infinie, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis désolé, c'est une tablette de chocolat, les copains, c'est pas un mur. C'est quoi ça? On dirait des carrés de chocolat, le machin. Oh, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, il vient de se mettre bien, là, il vient de prendre des construits. C'est des escaliers, ça, vraiment? Ok, d'accord, ok, si on veut. Ah, il a même refait une petite danse, là. Vous savez, la danse où il saute et il s'allonge. C'est sympathique. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Ah ok, donc dans cette partie de la carte, il doit tirer sur des ennemis qui construisent des escaliers. Bon là, ça ressemble un petit peu plus à des escaliers déjà. Il est en train de les sniper un par un. 12 kills. Et 12 kills à faire, j'ai pas trop bien eu le temps de voir. Il est en train de les sniper un par un. Oh putain, il y en a celui-là, il était vite. Ah bah il a pas eu le temps de l'avoir, il est passé trop vite. Il était au premier plan, il allait beaucoup trop vite pour lui. Donc il a tiré 9 fois, il a tué 7 ennemis. 70% de précision, ce mode-là. Alors ensuite, il va sur la dernière partie, enfin la partie tout à droite de la carte. Ok, donc il y a les bûches, il y a les buissons. C'est quoi le but du jeu? À se cacher, tuer les ennemis. Ah c'est sympa aussi. Ah merde, il s'est fait toucher. On voit à peine le canon de son arme sortir du buisson, mais c'est pas grave. Surtout un lapin, en plus, on voit, il est tout rose à l'intérieur du buisson. Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas le voir? Oh merde, il s'était mal caché, là, par contre. Oh, mais genre, il le voit pas. Bah, après, je pense que c'est une intelligence artificielle. Le but, c'était de s'extirper de la carte. Donc, il passe encore à une nouvelle zone. Il passe à la zone où il y a la mer, le sable. Je pense que, non, c'est le désert, hein, c'est le désert, je pense. Donc, il vient tout juste de se parachuter. Il y a des petits colis, des largages de ravitaillement. D'ailleurs, il y en a un petit peu beaucoup. Apparemment, le but, c'est de les ramasser. Il y en a des piégés. C'est quoi? Ça sert à quoi qu'il ramasse ça? Il n'y a même pas d'armes. C'est vraiment what the fuck, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez une petite note sur 20 à ce jeu de Game Boy. Bon, c'est pas un Battle Royale, apparemment. Enfin, c'est censé être un mini-jeu Fortnite. Enfin, un jeu Fortnite. Mais il joue pas contre des joueurs en ligne, je pense pas. Ok, donc là, après, il va au milieu de la carte, il va au niveau de l'ancien Loot Lake.
crois que c'est ça. Oh, mais attends, c'est pas le missile de l'événement, ça? Ah non, il fait juste du... Ok, du rocket ride. Il vient de taper son meilleur rocket ride pour pouvoir aller tuer les ennemis. Oh, par contre, lui, il est trop bête, il peut pas lui tirer dessus. Attends, là, il va faire une triplette, je crois. Ah ouais, ça part sur une petite triplette. Allez, sérieux. Alors, en plus, il a un fusil à pompe. Il est en train d'aider papa, hein. Et il a fini son petit niveau. Alors, c'est quoi le niveau suivant? Il est déjà à 97 kills. Hein. Il a 97 kills, le copain. Et ok, là, on part sur la dernière zone de la carte. On est en plein milieu. Clairement, on est en plein milieu. Il y a des arbres et son but, c'est d'affronter un boss. Apparemment, c'est ça, c'est un boss. XX Shotgun XX. Bon, je pense que c'est l'équivalent d'un pseudo hein, d'un mec en ligne. Donc, il doit affronter un joueur en se cachant derrière les arbres. Ah, ok, il vient de choper du shield. Un petit kit de soin. Hop, il a tapé sa petite esquive. Il passe de son côté. Ah, il a pris des dégâts, il a pris des dégâts. Il a ramassé un truc. Il s'est caché derrière l'arbre. Il va lui mettre dans le dos. Bien joué. Bah, il est un petit peu bête le boss quand même. Hein. Il fait pas grand chose. Hein. À part faire des allers-retours, on dirait qu'il fait une ronde. Hein. Et il tape sa petite victoire royale, son petit top 1. Même son petit lapin, il fait sa petite danse. Bah, franchement, c'est stylé. Hein. Je crois qu'il y a encore un truc. Ah oui, c'est pas terminé. Il peut aussi servir d'autres skins apparemment. Donc là, il y a le skin masqué, il y a la Ghoul Trooper, le Lapin Rider, il s'appelle comme ça, je savais pas. Le Trooper d'assaut et la Zoé. Écoutez, je sais pas ce que vous aurez pensé de ce petit Fortnite sur Game Boy. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez-moi une petite note sur, allez, sur 10, voir un petit peu ce que vous en avez pensé, voir vos retours. Si vous voulez qu'on fasse aussi d'autres vidéos à conseil comme ça, bah faites-le moi aussi dans les commentaires. Pour tous les copains fidèles, pensez à votre petit pouce bleu avant de vous en aller. Pensez également à vous abonner pour les petits nouveaux. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chez votre tonton Tacos. Voilà. Bonjour, ça me rappelle des bons souvenirs perso quand je joue à ma Game Boy, je joue à Pokémon. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Oxygen fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and